Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana. C'est parti pour une petite vidéo à action de Servons, nous sommes mercredi 17 novembre 2021. Bougie bergamote. Donc il y a le tigre, je crois qu'il y en a trois. Le zèbre, donc cédar, et il y en a un troisième. Les autruches, c'est acacia. 1,99€. Deux nouvelles bougies, donc les bougies parfumées Triwick. Alors on les a eues, mais je crois qu'elles sont en tête de gondole, donc un peu moins hautes, et je me demande si elles sont pas un peu plus larges. 6,95€, donc avec une bougie en bois. Donc il y a sandalwood et vanille. Je crois qu'il y en a une troisième. Et celle-ci, alors je crois que c'est cannelle ça, si je ne me trompe pas. Donc c'est un rose, un vieux rose, on va dire ça comme ça. Du coup, petit coucou à Rachida que j'ai rencontré ce matin à Action de Créteil autour de cette bougie. Donc 6,95€ celle-ci avec le couvercle en bois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de nouvelles bougies. On a eu aussi des nouvelles chandelles. Donc c'est par l'eau de Troyes, vous voyez, elles sont torsadées comme ça. Donc elles font 25 cm de hauteur et durent 6 heures. On a noir, on a cette couleur-là, très joli bleu. On a rose. Oh, je me souviens plus, il y a une quatrième couleur, je sais plus, tiens. Donc elles sont à 1,49€. Ils ont remis en rayon ces petits pots avec le couvercle, avec le petit diamant doré. Alors il y en avait encore en rayon, mais c'était plutôt les argentés. Et je sais que les dorés ont eu pas mal de succès. Beaucoup s'en servent pour mettre leur coton sur leur coiffeuse dans la salle de bain. Ils ont remis du ruban, donc il y a deux tailles et après plusieurs couleurs. C'est 79 centimes le ruban. Alors du ruban, il y en a aussi côté loisirs créatifs adultes et il y en a aussi dans le rayon Noël. Une petite nouveauté, j'en vois une autre à côté. Allez, on commence par celle-ci. Le vélo, il est beau celui-là parce qu'on en a eu une fois avec les petits... les petites plantes là artificielles, mais celui-là il est beau. Alors je vois qu'en plus il y a deux sortes de... Hop, on voit mieux comme ça. Deux sortes de plantes. Donc il y a celui-là. En plus il donne l'heure. Donc 6,49€. Je vais essayer de sortir le deuxième modèle. En fait c'est la plante qui change. Donc 6,49€. La deuxième nouveauté que j'ai vue du coin de l'œil. Et je sais que c'est un produit, c'est un article que vous avez beaucoup aimé. C'est le retour de cette horloge avec les bords scintillants comme ça. 12,95€. Il y a plein de petites pierres. Elle fait 34 cm sur 34. Je sais que quand on l'a eue l'année dernière, elle n'est pas restée longtemps dans les rayons. Hein. Oh génial, je vais pouvoir faire une vidéo 100% de nouveautés. Enfin, je crois que je parle trop vite. Nouveauté aussi avec ces bouteilles LED. Je ne sais pas si on peut tester. Non, c'est bien scotché. Donc 1,99€. Alors je vois celle-ci. Alors je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 couleurs. Il y a celle-ci. Et puis, alors il y a celle-ci un peu rosée, il me semble. Voilà, celle-ci. Un petit peu dans les tons rosés. 1,99€. Allez, je vais tricher un peu, je vais montrer aussi les nouveautés que je vous ai fait découvrir hier. C'est cette planche à découper, en même temps plan de travail à 6,98€. Alors plan de travail parce qu'en fait on peut la mettre comme ça. Donc du coup on peut la mettre comme ça. Et on peut découper tranquillement sans que ça bouge. Petite nouveauté mais on va dire un retour. Ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus. C'est cette à servir les sauces. Il y a 7 pièces parce qu'il y a 3 petites cuillères, 3 coupelles et le plateau en bambou. Donc on les a en blanc, donc 2,99€ l'ensemble, et on les a aussi en noir. Donc c'est sympa ça pour les petites sauces, même quand voilà, on reçoit du monde et tout, on a une grande table. Je trouve que c'est plus sympa que de sortir les grands flacons ou les grosses coupelles. On peut en mettre un à chaque extrémité. 2,99€.
le retour aussi de ces bocaux. Alors vous étiez nombreux à me demander le prix du coup en commentaire. Je vous les ai présentés je crois dimanche. C'est un retour, on les a déjà eus il n'y a pas très longtemps. 2,49€. Et du coup, celle qui avait commencé une série, bah maintenant vous pouvez la terminer parce qu'ils sont en rayon. Avec le petit joint en silicone. 1 litre, hein. Donc 2,49€. Pareil, une nouveauté d'hier, c'est le retour de la gamme Sienna, mais avec d'autres couleurs. On a celle-ci, donc du beige clair, on va dire blanc cassé. On a du bleu, comme ça. Donc on a ce bleu aussi, et donc ce bleu. Alors les grandes assiettes sont à 3,29€, les petites 2,69€. Les petites assiettes, on a aussi les assiettes creuses. Hier, je ne les ai pas vues, les assiettes creuses, 2,84€. Alors j'ai vu aussi les bols, 2,49€. Je vois qu'ils remettent petit à petit cette collection d'assiettes. C'était la Blue Amber. Il me semble 2,59€, vous savez, avec les... En fait, le nom ne me parle pas. Et il me semblait qu'elles avaient un autre nom. Mais bon, bref, je commence à voir... de plus en plus dans les rayons des assiettes ce modèle qui revient. Encore une nouveauté, mais côté salle de bain, toilette plutôt, avec cette brosse toilette avec le support en bambou, 3,28€. Hein. On voit, hop, il y a aussi en noir, je sais pas. Ah non, il n'y a que noir et blanc. 3,28€. Hein. Oh tiens, ça c'est nouveau, ils vendent cette marque maintenant, Ferry, 12,97€, il y a 75, c'est 12,97€ et il y a 75 tablettes pour lave-vaisselle. Donc c'est une marque qu'on retrouve dans les grandes surfaces, alors j'ai pas du tout notion des prix. En tout cas, moi quand j'avais découvert cette marque, je connaissais pas, je me disais mais c'est quoi cette nouvelle marque? Mais il y a des pays européens où c'est leur marque, comment expliquer, leur marque phare. Voilà, et apparemment c'est une très bonne marque. Je n'ai pas encore testé moi, mais apparemment c'est vraiment pas mal. 12,97€. Ça existe aussi en tablette pour le linge. Hein. Mais là c'est celle pour le lave-vaisselle. Mais c'est pas possible. Action m'espionne-t-il? Je rigole parce que j'ai exactement le même, mais avec les boules noires que j'avais achetées dans une autre enseigne. Et hier j'en parlais avec ma voisine parce que j'avais mis ça sur la porte de du vestiaire, enfin du placard qui me sert de vestiaire à l'entrée. Et donc ça m'a évité de trouer, etc. Donc j'ai mis, vous savez, j'ai les portes en métal, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup j'ai mis ça dessus et comme ça permet de, quand j'ai des invités ou nous quand on arrive à la maison, quand on sait qu'on repart, au lieu d'ouvrir le placard, on met dessus. Et justement hier j'ai parlé de ça en disant que j'avais acheté dans une autre enseigne et que je ne savais pas s'il y en avait encore. Et Action l'a fait. 2,59€. Par contre je ne sais pas si. Là je vois que du blanc, mais je ne sais pas s'il existe ou pas en noir. 2,59€. Moi je crois que je l'ai payé le double du prix. Voilà. Alors il fait 42 cm sur 25. Alors donc le petit plus de ce genre de pater, c'est que vous pouvez le mettre dans n'importe quelle porte, chambre, salle de bain, etc. Si vous n'avez pas envie de percer, alors faites attention. Parce que justement, moi j'ai eu la surprise avec les portes que j'ai dans la salle de bain et des chambres. Je sais pas, c'est un nouveau modèle de porte, mais en fait, le haut de la porte n'est pas plat. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, il est un petit peu comme ça, il est plat, puis après il y a un petit rebord. Et du coup, ça va pas du tout dessus. Voilà. Le retour de ce produit en rayon. Alors c'est un produit qui a vraiment la cote. Et c'est vrai qu'une fois testé, je crois que c'est arrivé l'année dernière, une fois testé et tout, en général, les personnes, elles essaient toujours d'en avoir un en plus. Moi, j'ai rencontré quelqu'un dans un magasin qui m'a dit, j'en prends 4 carrément, comme ça, je sais que j'en ai d'avance, il est tellement bien. En fait, à quoi ça sert? Ça évite de repasser. Donc, une fois que vous avez lavé votre linge, vous vaporisez, vous passez un petit coup, voyez, dessus, comme ça, et puis vous n'avez pas besoin de repasser. Voilà, moi, j'ai eu que des bons échos sur ce produit-là. Le retour aussi de ces petits crochets de pièces autocollants, 1,99€. Ça fait pas longtemps qu'ils sont revenus, je les ai vus je crois en début de semaine, fin de semaine dernière. Et je vous disais, je les attendais, enfin je les ai attendus, puis ils sont jamais revenus, comme dit la chanson.
Et du coup, j'ai commandé sur un site marchand et j'ai payé beaucoup plus cher. Là, c'est 1,99 les deux. Je crois que j'ai dû payer 2-3 fois ce prix-là. Et en fait, moi, par contre, je les ai bombés en noir, hein, parce que je voulais pas cette couleur-là. Je voulais du noir dans ma salle de bain. Et j'en ai mis donc sur le mur et j'en ai mis aussi sur la porte. Par contre, quand vous utilisez ce genre de, on va dire de système, il faut mettre au mur et il faut attendre avant d'accrocher du linge. Moi, j'ai attendu 2 jours pour être vraiment sûr. Et franchement, on y met des peignoirs, etc. Ça tient. Chez moi, ça tient. Donc, ça fait un an que je les ai. Après, ça va dépendre de votre mur. Si vous avez un mur poreux et tout, je ne sais pas trop si ça va tenir. Mais en tout cas, moi, j'ai pas de soucis. Et c'est pas tombé. Pareil, ces gilets. J'en ai acheté un pour moi et un pour ma fille. Ils sont vraiment très bien. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi longs. J'en ai acheté un dans une autre enseigne. Et du coup, je l'ai ramené parce qu'il était trop court. C'est pas ce que je voulais. Et ceux-là, ils sont vraiment bien. Ils sont grands, hein, donc moi j'ai pris j'ai pris S pour ma fille et M pour moi, mais du coup j'aurais dû prendre S quand même, parce qu'ils sont quand même assez grands. Alors de mémoire, ils doivent être à 9,95€. Tiens, une nouveauté avec ces leggings, avec les petits, les petits trucs dorés là, 4,49€. Alors pareil, j'ai acheté le legging que j'ai sur moi, là, celui-là en suédine. Franchement, il est bien. Il est hyper agréable. Pareil, j'ai pris un du M, mais il est un petit peu plus large que prévu, donc mais c'est pas grave. Et donc ces leggings, il y a celui-là, donc 4,49€. Il y a celui-là avec les 3 petits boutons là en bas. Au niveau de la qualité. Alors, j'essaie de vous montrer des fois de près, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, ça a l'air assez épais. On dirait, vous savez, les collants thermocollants là chauds. Alors les boutons de celui-là sont dorés, je pensais qu'ils étaient argentés, mais ils sont dorés. Et il y a celui-là avec la fermeture éclair qui est sur le côté. Je pensais qu'elle était intérieure, mais elle est sur le côté. Le retour de ces blocs, alors il y en a eu il n'y a pas très longtemps, puis on n'en a plus vu. Là il y en a encore quelques-uns, alors des fois c'est les côtés où il y a les jouets de bébé, ça dépend comment est fait votre action. Vraiment c'est quelque chose que je vous recommande, voilà, il y a quelques jouets comme ça, je vous dis allez-y. Parce que c'est une valeur sûre, comme on peut dire, et ça plaît beaucoup aux enfants. Donc ça ressemble, on va dire que c'est avant les caplas, parce que les caplas c'est vraiment tout simple. Là on a des formes, plusieurs formes, et il y a des couleurs. 6,95€. Alors, avec ça, ils peuvent construire des maisons, les empiler, etc. 6,95€, il y a 50 pièces. Le fameux petit joujou, avec lequel je me suis bien amusée d'ailleurs, avec lequel on s'est bien amusé avec les enfants. 99 centimes. Alors, petite astuce, hein, si jamais vous l'emmêlez. Vous pouvez l'enlever, donc il faut d'abord tirer en haut, et puis après vous allez, faut tirer en haut, vous le ramenez en haut, vous tirez, puis après vous allez en bas pour enlever, puis après vous dénouez. Mais c'est vraiment sympa, on s'est bien, rigolé. Tiens, à côté, qu'est-ce que c'est? Zoups, animal domestique, 1,99€. Je tourne et je grimpe. Tiens, une nouveauté côté Lego avec les Ninjago. 7,95€, on en avait déjà eu en petit sachet, ces petites boîtes comme ça, avec alors là c'est Cole, je crois qu'il y a les noms, alors il y en a avoir plusieurs, je sais pas, je vais essayer de regarder. Bon bah je vois que celui-là. 7,95€. Qu'est-ce que c'est que ça? Selfie Girl Live Pochoir avec étui rempli. Donc on a l'étui effectivement avec les stylos. Alors, je découvre avec vous. Oui, donc c'est un cahier de dessin. Enfin, c'est un cahier de dessin, non? Oui et non. Hop, création. Hop, vous pouvez mettre vos selfies, etc. Donc 3,99€. Il y a 72 pages. Côté Lego City, on a ceux-là. Le petit sous-marin avec le coffre. 7,95€. Ah oui! Je voulais vous faire une petite vidéo, mais du coup, j'ai oublié. On a pris ça il n'y a pas très longtemps aussi. C'est un T-Rex qui court avec vapeur. 8,95€. C'est rigolo. Nous, on a eu le bleu. Voilà, bah, c'est celui qu'il y a là. Donc, vous regardez bien la petite croix. Et du coup, alors il y a la queue à monter. Nous, au début, on s'est un peu pris la tête pour voir le sens. Il faut mettre des piles. Et en fait, là, à ce niveau-là, alors moi, j'avais pas vu. Nous, on mettait de l'eau dessus. On ne comprenait pas pourquoi ça marchait. Pas et je sais pas pourquoi on n'a pas eu tiens la notice. Et donc en fait vous voyez ça là, c'est un petit bouchon, donc vous l'enlevez, vous mettez l'eau dedans,
Donc à chaque fois il y a un petit bouchon comme ça, hein. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut enlever là. Et là, je vous précise, hein, peut-être que vous dites non mais c'est bon, on aurait su, c'est facile, mais moi j'ai pas trouvé. Donc vous voyez, au début on a mis de l'eau là, on n'avait pas compris. Et du coup après, alors il marche, il fait du bruit, je vous préviens. Il s'allume et en fait il y a de la vapeur qui sort. Donc 8,95, c'est assez rigolo. Masque capillaire. Alors, celui-là, je crois que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. C'est noix de coco et beurre de karité. Alors celui-là, je le vois régulièrement, cactus. Mais celui-là, non. Alors j'ai vu qu'il y en avait un autre. Celui-là aussi à la mangue. Pareil, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. C'est un masque pour les cheveux. 89 centimes. Bon, c'est sûr, je vais repartir avec ça. J'adore moi tout ce qui est sel de bain. 99 centimes. Et alors, il me semble que j'avais déjà testé ce... Pas ça, hein, pas le sachet comme ça, mais il y avait autre chose avec cette marque-là, je me souviens plus. 99 centimes, donc salle de bain, donc à la lavande. Salle de bain, parce que je lis salle de bain. Donc c'est... Non, c'est celle de bain. Celle de bain pour la salle de bain. 99 centimes, donc à lavande. Eucalyptus, ça va être bien là, je commence à avoir le nez un peu pris. Donc eucalyptus. Donc c'est les deux, hein. Eucalyptus et lavande. Celui-là... Alors je vais en même temps, le sel d'Epsom Elysium Spa contient des purs minéraux aux vertus intemporelles utilisés de génération en génération pour les ses bienfaits naturels. Il pénètre dans la peau pour éliminer tout ça, pour éliminer les toxines tout en douceur. Le sel de bain d'Epsom Elysium Spa relaxe le corps et l'esprit pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Bah, c'est bien ce qu'il me faut. Donc du coup j'ai commandé un carton. Hein. Oh, nouveauté. Alors c'est tout au fond du magasin, là où il y a les sopalins, etc. Donc trois étages. Donc, il est à 19,95€. Voilà pour cette nouveauté. Vous voyez, il y avait des nouveautés aux quatre coins du magasin. J'aurais bien voulu en voir côté alimentation. Allez, je vais essayer de trouver une petite nouveauté côté alimentation. Mais pourquoi j'ai dit que j'allais trouver des nouveautés? Il y a ça que j'ai pas vu, je sais pas si c'est une nouveauté de cette semaine ou pas. En tout cas, il y a des barres sans gluten. Il y en a 5, donc magnésium, sans gluten, végétarienne, 1,12€. Donc il y a chocolat noir et puis il y a au caramel. Caramel chocolat. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je suis contente, j'ai vu plein de nouveautés. Voilà, plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.